Ça va. Aux femmes, il claque la bise. Aux hommes, il tape dans la main. Des centaines d'accolades et poignées de main pour Alain Tianlong. Il est vrai qu'ils étaient venus par bus entier, de Cayenne, Matoury, Macouria et beaucoup de l'Ouest guyanais pour soutenir leur candidat. Je crois qu'il a démontré en tant que président du Conseil général, sans parti, il a toujours su avoir une majorité pour travailler pour la totalité du territoire. Ça, il a déjà démontré, quelle que soit la couleur politique des maires avec lesquels il avait contact. Et puis, les discussions qu'il a eues avec l'État ont démontré qu'il était ferme dans ses convictions et qu'il était capable d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout par des engagements, de l'action. La grosse attente, en fait, des nombreux acteurs de la société civile présents sur la liste du candidat. Des prises de position fortes en matière de développement économique et surtout d'emploi. Il nous faut de l'audace et je sais qu'Alain Tianlong, par son action, est capable, c'est un homme intègre, capable de porter le combat politique de la gestion du sol, du sous-sol, pour enclencher une transition économique et positionner la Guyane vers une économie de production dont nous avons tant besoin pour offrir une solution, un débouché à la jeunesse qui aujourd'hui connaît tous les embarras qu'on lui connaît. Des soutiens de poids pour porter la parole d'Alain Tianlong, pour chauffer l'ambiance. Et lorsque la tête de liste paraît, Alain Tianlong à la tribune alors, pour dévoiler un programme basé sur un partenariat revu avec l'État. Je rappelle que le législateur a mis à disposition de cette collectivité un organe de décision qui est le Congrès. Demain, ce Congrès qui regroupe les 22 maires, les 4 parlementaires, les 51 conseillers territoriaux, eh bien, ces hommes et ces femmes qui siègent au sein de ce Congrès ont vocation à débattre, à faire l'inventaire actualisé des blocages, des contraintes qui se posent à nous et à proposer au gouvernement un cadre d'évolution, soit statutaire, soit institutionnel, soit d'habilitation en termes d'adaptation des lois. Tels sont les moyens et voies et moyens que nous allons mettre en œuvre pour aboutir à, un projet partagé avec l'État qui doit être un État partenaire et non pas un État qui suscite de la défiance, de la méfiance comme c'est le cas actuellement. Plus d'un millier de personnes au Grand Blanc au lendemain d'une des plus violentes attaques terroristes subies par la France. Côté ambiance, on était loin de la grande fête prévue. Mais occasion tout de même pour Alain Tianlong de mesurer l'efficacité de sa stratégie. Celle du coureur de fond, partir lentement et finir très fort.